Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et ce sera Mia est allergique aux roses, donc c'est parti. Et Mia, Quoi? ça te dit on sent les roses? Allez, Ok. on y va. Bah moi je vais sentir. Moi aussi. Ah, ça sent trop bon. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'as les yeux qui gonflent. Attends. Maman! Maman, vite, viens! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Mia, je... Mia, pourquoi elle est par terre? Mia! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti les roses et je suis tombée. Oh ma pauvre Mia, je crois que je suis allergique. Marie-Lou, va appeler le médecin, s'il te plaît. Ok. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Mia est allergique aux roses. Comment ça, elle est allergique aux roses? Je dois appeler le médecin. D'accord, moi je vais la voir. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mia est tombée. En sentant les roses, je pense qu'elle est allergique. Oh mon Dieu, en plus, ses yeux sont en train de gonfler. Il faut que tu l'allonges sur une chaise, quelque chose. Ensuite, tu lui couvres que le haut de son corps. Et tu lui relèves les jambes. Et tu ne couvres pas les jambes. D'accord. Elle est bien cette chaise. Oui, tu as raison, je vais la porter. D'accord. C'est bon, va chercher sa couette, chérie. Ok. Voilà, je suis allée chercher sa couette, il faut encore la couvrir. Oui. Voilà, j'ai pris cette couette parce que sa couette à elle n'était pas assez, était beaucoup trop grande. Ok, où est Marie-Lou? Elle appelle le médecin? Oui. Oui, allô, docteur? Oui, ma petite sœur, en fait, a senti des roses et elle est tombée et oui, je pense qu'on pense avec mes parents qu'elle est allergique. Oui. Oui, c'est ça. Oui, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Oui, merci. À tout de suite, à tout de suite. Maman, ils arrivent tout de suite. Ah d'accord, parce que là, Mia est vraiment mal en point. Oh là là, je stresse. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Bon, je vais aller voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mia est allergique aux roses. Regarde. Oh non! Pourquoi? Vous le savez déjà qu'elle était allergique? Non, mais on vient de le savoir. Le docteur arrive. Ah ok. Bon, allez, on y va, Christophe. Ok. Bonjour, que s'est-il passé? En fait, je ne sais pas trop parce que je n'étais pas là. Moi, je sais, j'étais avec elle. En fait, elle a senti les roses de là. Et elle est tombée et elle a commencé à tousser, à éternuer. Bon, je vais examiner. Christophe amène le brancard. D'accord. Il est là. Oui, merci, Christophe. Et c'est très bien de l'avoir couché, lui avoir monté les jambes et lui avoir couvert le bustier. Très bonne initiative. Maintenant, il faut la mettre sur le brancard et on la prendra en charge dans l'ambulance. Ensuite, on lui donnera les médicaments et on vous les donnera. D'accord. D'accord. Maman, j'ai peur. Non, ne t'inquiète pas, ma chérie. Christophe, amène la petite sur le brancard. Ok. C'est bon, elle est sur le brancard. Petite fille, tu veux être un peu assise ou allongée? Allez, oui. Ok. Bonjour, moi c'est Suzanne. Comment je t'appelle, toi? Je m'appelle Mia. D'accord, t'as quel âge? J'ai 5 ans. T'es en grande section? Oui. T'as des copains? Oui. Super. Bon,
On va t'écouter le cœur, d'accord? D'accord. Pompon, pompon, pompon. Ok, c'est bon, elle va bien. Quand tu es tombée, tu avais mal quelque part? Non. D'accord. Bon, on la met dans l'ambulance. Non, ne t'inquiète pas. Une fois dans l'ambulance. Alors, Mia, est-ce que tu te sens de vomir ou quelque chose comme ça? Non. Mais j'ai très peur. Oui, ça c'est normal, mais c'est pas une sensation. Je pense que je t'ai tout demandé. On va te donner le médicament et ensuite on le donnera à tes parents, d'accord? D'accord. Regarde, c'est celui-là et tu en bois une gorgée par jour. D'accord. Quelle que soit l'heure et quand ça se calmera un peu, tu ne seras plus obligé de le boire, d'accord? D'accord. Mais pour l'instant, t'es obligée. D'accord. J'espère qu'elle va bien. Oui, t'inquiète pas, mon amour. Elle va très bien, j'en suis sûre. Oui, moi aussi. Il est trop bon! Et oui, tu vois, c'est la fraise. Allez, on te ramène à tes parents. Et zou, parce que nous, on a une autre urgence. Un Christophe. Oui, allez. Voilà votre petite fille en pleine forme. Oh, Mia, mon Dieu, ça va? Oui, maman. Et ça, il faut lui donner une gorgée par jour, quelle que soit l'heure. Il faut lui donner qu'une gorgée? Oui, qu'une gorgée. Il faut plus jamais lui faire sentir les roses, d'accord? D'accord. Eh bien, tout est fini bien. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, s'abonner. Et vous inquiétez pas, elle va très très bien, Mia, en ce moment. Allez, bisous!